Bonsoir et bienvenue sur L-Tape, on est sur la deuxième partie de Until Dawn, la version 2024, c'est un remake, hein. J'ai donc regardé, c'est pas un remaster, c'est un remake, le jeu de base est clairement moins beau que ça, c'est pas les mêmes éclairages, on est sur un jeu qui est très différent, les textures sont plus belles sur le nouveau, les éclairages sont bien plus beaux, ça tourne sur Unreal Engine 5 et tout, on est clairement sur un remake, on n'est pas sur un remaster là. Eh ben vous savez quoi? Attends, vous voulez peut-être dire bonjour, je sais pas, vous voulez dire bonjour à YouTube? Oh my god, petit stream jusqu'à l'aube. Attends, on va faire ça, hop. Eh ben, n'hésitez pas à lâcher un petit coucou à ceux qui regarderont peut-être cette vidéo sur YouTube. On n'est pas des millions ce soir, mais ça devrait faire. Ouais, en gros, c'est ça. En gros, un remake, c'est ça. Le remaster, c'est le même jeu, avec juste une résolution qui est adaptée aux écrans d'aujourd'hui. Donc, en gros, les 16:9, les genre 4K et tout, tu vois. Genre, en gros, résolution plus belle. Mais c'est le même jeu, les mêmes textures, les mêmes personnages, les mêmes dialogues, les mêmes trucs. Remaster, ça c'est remaster. Remake, tu refais le jeu, mais tu lui redonnes tu lui refais peau neuve en fait. Les personnages, tu les refais, tu les retravailles. Mais tu ne touches pas forcément à l'histoire, tu touches pas forcément au gameplay, etc. etc. C'est reboot. Et lui, là, on peut tout toucher. On peut toucher l'histoire, on peut toucher les personnages, on peut toucher le gameplay. Reboot, c'est redémarrer. Tu redémarres une licence en fait. Bon bah let's go, c'est parti hein. Je te reboot. Pourquoi? Allez, c'est parti pour la suite, mesdames, messieurs. Allez, on fait le même système des quarts d'heure. À 21h30, c'est pour toi. Avec plaisir, Don Diego. C'était trop fun. Merci à vous d'avoir participé à Dane & Dawson. Merci beaucoup à la boucherie d'y participer à ces sessions. C'est tellement cool avec vous. Bon, du coup, on était arrivé là. Bon, j'ai regardé à peu près, on est à un tiers du jeu là. Environ. Parce que. Aïe, we're pushing to the limit. Et puis, j'arrivais de là. Ou non, je rentrais là. Fallait que j'aille là-dedans. Vous me dites au niveau du son si c'est peut-être un peu. Ah, dommage, Allison. Ah, t'as raté une session très fun pour le coup là, ouais. J'avoue, c'est... On a bien fait les cons, encore. Voilà. Oh putain. Je vérifie que le son se capte pas trop dans le micro quand même. Ok, c'était qui? C'était l'espèce de tueur à droite, là? Qu'est-ce que c'est? Bourriné d'info le manager, c'est drôle, t'as vu? T'as vu? Ça va, Lulu? Le Lulucus! Et le son est nickel, c'est top, nickel. C'est top, méga fun, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien. Visiblement des problèmes. Des éboulements, de la poussière. La prochaine fois, il y avait toujours le manager! Bien sûr qu'il y avait manager! Ok, là je vois. Regarde ça. Look at this. Ok, sanatorium de Blackwood Pines ouvert en 1922. Mens sana incorpore sano. Ça veut dire. N'hésitez pas à sub à la boucherie, ça déglingue ici. Voilà. Oh mon dieu, un coffre-fort! On peut l'ouvrir. Bravo. Quelqu'un voulait vraiment jeter un œil à l'intérieur. Ah ouais. Je me suis dit, ça va niquer le truc, on pourra plus l'ouvrir, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Ah ah. Indice trouvé. Moi, je trouve des indices. Oh merde, regardez-moi ça. Alors. Et rien d'autre ici. Ouais, pareil, Team Wolf. J'aurais vraiment, vraiment apprécié que ce soit une liasse de billets, moi. Bon, IRL, c'est mieux quand même. On dit un appareil photo. Quoi? On va pas prendre des photos? On va pas prendre des photos. On
Indice trouvé, caméra cassée. Hop, encore un indice. Moi, je trouve des indices. Oui, comment tu vas bientôt? L'heureux événement, pas trop d'appréhension. Ah bah je te demandais il y a quelques jours à peine. Je disais comment tu sens l'arrivée, tu vois, le moment fatidique. Et en fait justement c'est pas de la peur, ouais c'est plus de l'appréhension. Normal, normal, c'est un événement important qui va se passer aussi. C'est un événement important qui va être douloureux et tout, enfin elle est consciente de ça quoi. Des petits freeze dans le jeu. Ouais, je fais mon relou. Salut Erdem. Ok. Eh bah tu sais quoi, tu vas le lire. Oh, t'as de la chance, hein. Compte rendu médical. Le rapport suivant présente l'état initial des 12 mineurs après l'effondrement de la mine et leur sauvetage ultérieur à Blackwood Pines. Admission, lors de l'admission des 12 patients au sanatorium, nous pensions que ces hommes ne seraient que des coquilles vides, affamées et confuses. Fort heureusement, les mineurs semblent en bonne santé et leurs propos cohérents. Des éléments à attribuer à leur découverte de rations d'urgence dans la mine. Une fonction respiratoire inhibée est à déplorer parmi certains des hommes les plus âgés, ainsi que quelques symptômes de pneumonie. Psychologiquement, après avoir été enfermé pendant 23 jours, le choc de la réintégration a été difficile pour certains membres du groupe. Bien que leur état de santé général soit meilleur que prévu, ils semblent avoir été affectés par le temps passé dans la mine. Traitement, en raison de la nature fragile à certains patients, nous avons fermé l'asile A du sanatorium. L'aile A, l'asile A. Des évaluations psychologiques prendront place rapidement. Les hommes présentant une détresse respiratoire ont eu droit à une bronchoscopie et leur traitement intégrera de la streptomycine. Les autres sont simplement gardés en observation stricte pendant 24 heures. Signé le docteur Nicolas Henry Folwis et son collègue le docteur Raoult. Pourquoi ? Fou, elle comprend pas. C'est quoi dedans ? Ça va. J'allais l'engueuler si c'était de l'énergisant. Ah. En plus, t'en bois jamais de l'énergisant, toi. Non. Tu veux un café? Tu veux pas un petit kawa? Un kawa ou quoi? Tout à l'heure, il m'a tué Caradoc avec ça. Eh, DJ, ouais? Un kawa ou quoi? Salut le Lilou, hello. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Rien, ok, on va aller voir là. Tu peux te retourner là où je te demande d'aller? Merci. J'apprécierais qu'il aille là où je lui demande. Tu me diras, on verrait un corbeau à cette distance là qui s'envolerait d'un coup. On ferait littéralement le même bout à base de... Oh putain, bâtard. Oh putain, c'est dégueu. Pardon, mais c'est rigolo ce mouvement robot. Oui, je suis un robot. Pardon. Ah, merde. Et un cavier. T'as vu Fouifoui comment elle a le sub ou pas? Elle sait qu'elle va devoir jouer potentiellement des séquences qui font peur. Jumpscare. Oh merde. Oh. Un indice. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, vous entendez pas ces réponses, mais en fait, on stone depuis tout à l'heure. Moi, à chaque fois, dès que je trouve un indice, je fais genre, moi, je trouve des indices. Et à chaque fois, elle me répond des trucs qu'elle trouve dans Satisfactory. Moi, je trouve des Summer Sloop. Moi, je trouve des sphères de Mercer. Tu vois? Mais moi, je gère la matière noire. Ouais, mais pareil, tu me diras. Oh my god!
Je vais aller voir Terrifier. Terrifier 3. Putain, faut que je les vois les Terrifier, ça a l'air. C'est nul et tellement bien à la fois. Tu sais ce que c'est ou pas, Terrifier? Avec le clown noir et blanc là. Ouais, il est flippant un peu. Mais genre, c'est de, du gore absurde. Genre, c'est de l'horreur absurde. C'est too much, ça gigue là-bas. Et ça a l'air rigolo. Et tout le monde en fait des éloges de ouf, tu vois. Alors, nous qui aimons les films d'horreur. Enfin, qui aimons. Non, justement, on a du mal à les aimer, justement, parce qu'il n'y a plus grand chose qui nous fait vibrer. Enfin, moi. Enfin, ça va. Encore cette chance. Ah, c'est du Yon. Oui. Bah, si. On l'aime pas, lui, si. On l'aime bien. Je sais plus, on l'aime bien ou pas, je sais plus. Ah, ouais, remarque. Yo, monsieur Lucator. Je vais passer le loup là-bas. Je vais regarder cette salle d'abord. Ça va vous? Oh mec. Franchement, là il lui manque juste le camion 18 roues. Avec une grande remorque chargée, tu vois. Et je t'appelle Roger, mec. Ça va mec? Répondez immédiatement, les journalistes et autres curieux doivent être éloignés à tout prix. Qui aurait souhaité que la presse mette son nez dans ce paradis. Compagnie de télécommunication de Western Province Telegram. Ouais, j'ai pas envie de lire tout ce pavé bizarre là. Mise à jour au sujet de l'accident. 12 survivants reçus au sanatorium montrent des signes de traumatisme mental peut-être à contenir. La presse locale a senti l'odeur du sang. Devient un problème. J'attends vos instructions. Je vais aller vers le loup, hein, vous en faites pas. Par contre, toi, reste tranquille. T'as cru que t'allais me arnaquer. Hein. Genre, ah, c'est bon, ils jouent et tout, ils voient pas l'heure passer là. Cet endroit devient de mieux en mieux. Hein? C'est quoi? Amélioration pour décommander une horloge ici. Donc, on a littéralement jusqu'à 4 écrans qui peuvent nous indiquer l'heure. Écrit trop petit. Plus que 5 minutes, c'est ça, t'as le saco. Elle a cru qu'elle allait m'arnaquer, elle, là. Elle a cru qu'elle allait m'arnaquer, toi. Mais si tu pouvais, tu le ferais. Voilà. Pas faux. C'était bien, putain, le souvenir. Putain de merde! La Purple d'or. Comment qu'elle va la foufouille, demande Dark Angel. Wow. C'est ça qui leur donnait à manger? Sophie, si une main fait coucou tout le long. Bonjour, petite main. On peut faire notre petite main, nous. Ah, mais d'accord, faut appuyer. Là. Merde! C'est tellement un quoi, il c'est un WAD. Ah mais il a perdu le WAD là. Oui, remarque, oui. Après ça saigne fort un doigt. Bon, je pense pas que ce soit une simulation de giclée de sang le jeu non plus mais... Ah. Mais go, amputer les doigts mec. Merde. Oh merde. Y'a pas le... Oh merde. Ah, ça doit te prendre toute la main là, en termes de douleur, tellement ça doit être violent. Jojote, bien ça. Écoute, on se coupe tous un doigt chaque matin, enfin qui ne fait pas ça, tu vois. Salut Francis, j'arrive sur ça, mais... Épique, et collégramme. Okay. Bourre et bourre, et je sais pas ce que je raconte. Ok. Ah ouais d'accord, il... Ouh là, il commence à vriller un peu là.
Oui, c'est pas faux. Ouais, mais bon, se mettre à. Instagram, piqué, collégram, bourré beau, ratatam. Bon. Comment dire, ouais, faut quand même avoir le cerveau qui prend cher un peu, hein, pour en arriver à chanter ça. Je viens de perdre deux doigts. Instagram, piqué, collégram, tu vois. Vous avez pas entendu. Elle me dit si sa copine s'était pas barrée, il se serait arrêté à Bourg-et-Bourg. Bien d'envoyer. Et comme ça, il va pouvoir imiter les T-Rex, tout ça. Ouais, ça fait des cris comme ça, les T-Rex, dans mon monde. Dans mon monde à moi. Il y a un truc là. Encore une boue de papier. Ah, c'est une étiquette. Ok. Nicolas Bowen. 24 février 52. Attaqué par détenu, lacération mortelle à la gorge. Putain. Mais il a pas eu de chance celui-ci. Oui. Ah, il y a d'autres casiers à ouvrir. C'est marrant parce que j'aurais pas le temps d'en ouvrir beaucoup. Je vais devoir ouvrir le dernier, tu te rends compte. Et je vais me taper de junker déjà. Ah bah mince alors! Il est ennemi. Et en plus, tu vas devoir lire. De la personne décédée, Tara Smith. Date du décès, 24 février 1952. Je certifie par la présente avoir côtoyé la défunte du mars au 24 février 1950 et l'avoir vue en vie pour la dernière fois le 24 février. Cause du décès, altération profonde à l'abdomen, intra-abdominal ayant hémorragie. La mort n'est pas naturelle, violente, qui remplit la section accident, homicide. Homicide type lacération avec un instrument très probablement des. Remarque supplémentaire. Si vous avez des informations pertinentes supplémentaires à communiquer, merci d'utiliser la cassette. Perso, signé par Dr. N. Owen. Adresse sanatorium de Blackwood, date 24 février 1950. Attends, c'est pas fini. Elle pourra pas faire beaucoup mieux en termes de son de voix. Elle a une voix comme ça, et le micro, je peux pas le tirer plus. Remarque supplémentaire. Le corps a été découvert entre 6 et 8 heures après la mort. Les intestins et les reins ont été partiellement dévorés par l'assaillant. Salut Audrey-là, comment ça va? Il est con, avec un peu de chance, ça se remet des doigts coupés. Tiens, il est pour toi celui-là. Oh, putain, c'est dégueu. Ça a germé. Ah, tatouille. Petite colle forte là. Moi je fais de la colle UHUSTIC, c'est gonflé. UU stick, t'as le déclic. UHUSTIC. Ustique pour cartonner. Je sais pas. Ok, allons voir ça. Il l'a pris. De la UU. Oui, c'est celle de tout à l'heure, ouais. Oh, j'ai fait ça, ouais. Hé, hey, pipelette. Dans le coin, moi aussi. Ah, mais moi je produis du diamant. Oui, mais parce que je t'ai expliqué comment faire. Je m'en fous, je fais de la matière bizarre gazeuse.
Oui, je vais dire cette phrase pouvait être bizarre. Ok, donc ça a permis d'ouvrir ça. Ouais, mais moi j'ai l'encodeur quantique. Je rappelle que j'ai failli faire sauter le courant de la base. Ah oui, on l'a vu. Chelou cet endroit, c'était un sanatorium. C'est pas censé être une sorte de centre de remise en forme. Hein. Bah, il me semble que si. Hein. C'est vrai qu'avoir des morgues, ou après sanatorium, est-ce que c'est pas... Oui, c'est ça, donc forcément, il y a des morts. Et ces petits loups, les QTE, oh, les QTE, oh. Mais quoi? Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Oh merde, oh merde. Eh monsieur Frikit, merci pour les 2 ans. Le bonsoir. Bonsoir à toi man, merci pour ce resub, c'est gentil. Merci de me choisir avec ton prime, merci beaucoup. Ok. Une bien séduisante piole de psychopathe. On piole quand même, hein, putain. Putain, et pourquoi le mot piole pour parler d'une chambre? D'où ça vient? En fait, c'est un new Until Dawn. Non, non, c'est un remake. Ah, d'accord, je suis revenu. C'est pour les maladies graves, infectieuses, genre tuberculose. Ouais, c'est ça. La peste aussi, non? Dans le sanatorium, il n'y avait pas la peste qui a été traitée là-dedans? Et on va dire, mais non, DJ, c'était dans un pestorium. Peste lépreux, ouais, c'est ça. Il y avait l'asthme. Ouais. On dira l'asthme, c'est plus violent qu'on le pense, ouais. Si c'est pas traité. Je crois que c'est ça, ça peut être mortel, l'asthme. Ouais, hein. Putain, t'as un serre des cartes comme personne, je trouve. Putain. Tu hop, mets des cartes comme ça avec des trous, c'est... Tu lui as mis un coup de la normale. Dégage. Ok. Ouais, ma mère avait des piqûres quand elle avait 10 ans à des 2h du matin. Oh putain. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Madame Foufou, elle rigole zéro. Ah ouais, mais des coups de latte comme ça dans des gueules, elle fait pareil avec les animaux de la rue. Ça m'aurait été dès que tu réagisses pas à ça. Salut Chocapi, violence animale, ouais. Oh, dis donc. Super. Dire ça, j'y crois pas, mais non, je rigole évidemment. Salut Breaking Ben. Ça, c'est un joli joujou, putain, c'est clair. Un 6 coups comme ça, ça claque fort, ça, en général. C'est une arme à feu. Une arme à feu, ça claque fort. Hein. C'est un fumeur. M'en fous, moi j'ai des beaux tapis MK6. Salut Rizik, salut Lionel. Je te cale, déjà je t'explique, c'est moi qui l'a créé, les cristaux temporels, là, je sais pas quoi. Non. Diamant et cumule au mien. Mes diamants que j'ai créés en premier. Ça devrait suffire à combler. Tu sais, je te rappelle que je transforme du charbon en diamant quand même. Là, t'as un couple qui est en train de s'embrouiller parce que qui fait quoi dans l'usine? Moi, je produis du diamant et des cristaux temporels. Tu vas rien faire en fait.
Tu vas rien faire. Yo, GLCD, comment ça va? Salut, Boubouche. 43 mois, mec. La bise à toi et à madame. Merci. Les gars, c'est un super bon streamer. On follow, on sub. C'est gentil, c'est très gentil, mon poulet. Merci à toi. Dispute d'ouvrier classique, ouais, c'est ça. À cette distance, jamais je le fais. Mais genre jamais. C'est tellement le meilleur moyen pour que la balle, il y ait un débris qui te parte dans la main ou quoi. Et toi, inconsciente comme t'es, tu le fais quoi. Et moi j'ai des tapis MK6. Poser une machine d'encodeur quantique. Et faire sauter le courant. Et mettre des summer sloops dedans. T'es venu là? Pas, mais elle est longue un peu la phase là. Ça aurait été drôle que Mike se fasse comme mal à la main comme ça, encore, j'avoue. Les hommes miraculés. Le sauvetage réussi des 12 miraculés. Mineurs piégés suite à la catastrophe du 5 janvier 52. Bah ouais, non, effectivement, ça me dit rien. Ça va le chat? Ça va la boucherie? On a que Eldred ce soir en modo? T'es en solo mon poulet? Ouais. Salut Rosariel. Non, Mi c'est plus modo, t'as ça. Ah non, Kara est là. Ok. Oui, on regarde le film. Oui, oui, j'ai vu. Et on est sage. Essayez de pas être trop sage des fois. C'est plus sympa. Oui, maintenant t'es avec Kara, Eldred. Ouais. Partie d'un diamond painting. J'ai découvert ça, j'aurais pas dû. Je sais pas ce que c'est. Ah, mais genre, tu. Un vrai diamant ou... J'aime le café de la compagnie. Ah, mais oui, des petites perles là, oui, ok. Ouais, je vois complètement ce que tu faisais le jour où t'as renversé toutes les perles. Tu te rappelles? Moi aussi. Il y en a encore dans le... Salut Kojiro. A plus Scotty. Ok. Ah. Ah mais en plus il y va en mode pépère, genre ouais c'est sympa, je me reviens à la douche justement. Ils peuvent être vraiment teubés quand ils veulent. Hein. Mike il a vraiment rien dans le cerveau des fois, putain. Ah, votre perso préféré, le chat. Coucou Emily. J'arrive pas à croire que Josh soit mort. J'arrive pas à croire comment il est mort. Non, enfin, et s'ils avaient tort? Quoi? Peut-être qu'on aurait dû aller à la cabane pour en être sûr. J'en sais rien. Il y a des trucs. Une fois qu'on les a vus, bah, on peut pas les oublier. Ouais, c'est vrai, mais des fois, c'est quand même mieux de vérifier. Je vais les croire sur parole. Regarde! Une hache! Je me sens vraiment mieux avec une hache. A plus, Kojiro. Ah, non, calme-toi avec les indices, par contre. Oh, mais quoi? C'est fermé, Matt! Je vais cacher des trucs radioactifs dans tes petites... Casse la porte, tu veux? Attends une minute. Il va nous entendre si on commence à tout casser. Parce que t'as une meilleure idée? Ah, pas là, non. Si! Salut, petit ours! Regarde! Quoi? Une fenêtre. Ah, super, Matt! Je peux à peine faire passer mon baume à lèvres à travers ce trou. Allez, sérieux! Tu passeras jamais par là, mon grand.
Enfonce la porte ou t'aides Emily à passer? Et papoum, merci pour le resub. Merci à toi. Hello, me revoilà. Bonjour la boucherie. Ah, tu demandes au chat? Faut elle demande. Vous faites quoi? Vous aidez Emily ou vous enfoncez la porte? On peut pas inverser le mot? Tu veux pas enfoncer Emily et passer la porte? Pardon. Mais soyons beauf, merde. Merde quoi. L2, R2, R2, Emily. Je vais enfoncer L2 comme. Comme ça, s'il y a du danger, elle crève. Je passerai pas. Vous l'adorez tellement, Emily. Meilleure perso. Malade, tu veux me faire passer par ce tout petit trou? Je t'ai vu rentrer dans des jeans plus serrés que ça, M. Oh, pardon? C'est un talent. Trouve autre chose, parce que là, pas moyen. Si ça se trouve, ce taré peut tout à fait être là, sous la fenêtre, à nous attendre pour nous découper en rondelles. Ok. Un coup à se faire découper la rondelle, ouais, j'avoue. Je respire, et je vais. Mais mind-toi! En fait, pourquoi le perso est gogolisé et fouille-fouille, elle essaie de tourner la caméra vers elle comme ça, c'est le coup de hache, il lui part dans sa grosse tête. Ouh. Bordel. Mais c'est quoi? C'est dingue. On était là il y a quelques heures, ça vient juste de se passer. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Mais c'est sûrement le type, le... C'est bien Fouifoui, belle tentative. Chris et Ash et Josh. Il doit savoir que c'est notre seule issue. Oh, dis pas ça. Regarde, le téléphérique est tout là-bas. Bah, c'est... Enfin, c'est pas si loin, si. Tu peux l'atteindre? Je suis doué, Emma. Mais pas tant que ça. Mais merci. Mais Matt, si tu peux pas sauter, comment on va faire? J'en sais rien. Non, mais c'est ça. Salut Floa! Tout a été complètement bousillé! Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Saute-toi! Non mais c'est ça, grave! Elle voit pas le chat, les potes, hein, quand vous le parlez à Foufou. Elle est trop loin. Quand des écrans. Vraiment à cette pièce. Ouais, visiblement, ouais. Bah, je pense que pour l'instant, tu peux rien faire. Ah, ouais, fallait que tu regardes, ouais. Ok. Pas de clé, pas de téléphérique. Ça va, et toi, Floa? Retour à la case départ. Matt, il nous faut un autre plan. On peut pas rester ici et rien faire. C'est charmant. C'est flippant. Je dirais qu'on est à la tour là, non? Mais regarde! Une tour de guet! Ah non! Non, faut qu'on aille à la tour. Peut-être que cette vieille tour aura, je sais pas moi, une radio, un téléphone, quelque chose! Peut-être! C'est pas comme si on avait d'autres choix! Sûrement, ouais! Matt, nous devons trouver cette radio! Mais que faire? Acquiescer ou être en désaccord? Je n'en sais rien s'il y a une radio ou pas. Bon, après aussi, vu le logo, quand même. On pourrait utiliser la radio pour appeler à l'aide. Il y a bien quelqu'un qui devrait capter le signal. R2-D2. Waouh, Matt, trop fort, une radio. C'est un bon. Pourquoi t'es aussi chiante? Mais body slam là dans un mur, l'autre. Écoute, c'est du sérieux, cette histoire. Matt, doucement. Salut Cédric, comment ça va? Hello, Ekosen. Hé, hey, attends. Comment vas-tu? Moi, je fais les mêmes bruits, hein, des fois, quand je pousse un peu fort. Hein. Oh, mais attends. Tu t'es fait arnaquer, toi, là. Ah, grave, il est 48. Non, personne le... T'as vu? Personne a capté que Foufou, elle se faisait arnaquer depuis 3 minutes, là.
Ok, je dois mettre un coup de hache à qui? Y'a pas un écureuil? Non, pour ceux qui n'ont pas suivi la première session, déjà honte à vous. Et sachez que l'écureuil dans le début du jeu il a pris une balle. Oh oui, bah c'est moi qui avais la manette donc forcément il a pris une balle. Combien? Ah, pourquoi? C'est combien de temps de jeu? C'est 15 minutes par personne. Tiens, DJ Silent Hill 2 prévu après l'accouchement de madame? Ah non, Silent Hill 2 prévu cette semaine. Ah non, Silent Hill 2 là, dès mercredi, on l'attaque direct dès le début du live. Merde. Mais il googlise le perso des fois, c'est ouf. Non mais le joystick il est pas du tout dans ce sens là, what the fuck. Allo, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il est teubé ou quoi? Le truc, je dirige le joystick en bas à droite, il va en bas à gauche, what the fuck. De la peinture? Et encore fraîche? Oh. Et donc oui, non, Silent Hill 2, là je l'attaque mercredi direct. Et je t'avoue que j'ose espérer le terminer avant l'accouchement. Là par contre je peux pas prévoir. Je sais pas en combien de temps on va le faire et tout, donc je sais pas. En tout cas mercredi les bouchers, je compte sur votre présence hein. Compte sur votre présence sur la chaîne. Je peux compter sur vous les bouchers. Il fallait s'approcher, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je nous sors d'ici, monsieur l'intello. Et donc Silent Hill ne sera pas en soirée horreur, hein. Il sera en session normale. Il ressemble, mais c'est pas exactement celui qu'on pense, je crois. Oh, d'accord, Yuzix. Eh ben, avec plaisir, du coup, on va faire ça. Regarde cette beauté. Toi, tu viens avec moi. C'est vrai, Pim. Et voilà le travail. Allez, courage, amène-toi. Ça va le faire. On peut carrément partir d'ici. Je suis trop fort, moi. Hop, carré, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça carré, là. Il ouais. Commence à me mettre des L2, R2, je suis baisé. Tu peux passer devant pour protéger. Pas le doigt dessus, s'il te plaît. Et là, quand il y a du QTE, tu remarqueras que mon pouce est comme ça. Ok. Exprès pour pouvoir. Ok, tout doucement. Ok, c'est bon. Oh, ok, vache. Presque. Je me sens pas super bien. Retour de vacances, ouais. Okay. Je suis déçu, tu l'as sauvé. Okay. Mais marcher sur un rebord comme ça avec de la neige et tout, mais jamais de la vie en fait. Ouais, carrément. Pas de rendez-vous médicaux en vue, ça devrait le faire. Yes. Vas-y Amélie, marche tel robot. Si ça marchait pas. Quoi? La radio. Ça va marcher. Mais si ça marche pas, il faut un plan. Peut-être qu'on peut juste descendre. Descendre quoi? La montagne. Oh, arrête tes conneries. C'est quoi le problème? C'est pas comme si elle était suspendue dans les airs. Elle roule moins du cul que Jess. Pas faux, ça. On ne voit que dalle. Hey, si ça se trouve, on n'aura pas besoin de le faire. Tu crois que le psychopathe va juste lâcher l'affaire et s'enfuir? Non. Mais on devrait peut-être trouver une cachette. S'y planquer et attendre. Ça sera plus facile de tirer cette histoire au clair dans la matinée. Mais on va pas se cacher dans le chalet. C'est là qu'il s'attend à nous trouver. Elle a une démarche de vénère. Ouais, en fait, elle a une démarche de robot. Je jure, imagine, à chaque pas qu'elle fait, un mouvement robotique, un bruit robotique. Sinon, il y a une autre option. Le sanatorium qu'on a vu sur la carte. Puis-je vous renseigner? Des bisous, Talsako. Écoute, M, ils auraient pas construit un endroit comme ça sur une montagne sans contact d'urgence avec le monde extérieur. Ouais, t'as peut-être bien raison, mais j'ai aucune envie d'aller traîner de ce côté-là. Allez, on va y aller, ta tour nulle. On va dire que c'est une option. Où on va là, mais ça a pas l'air de pouvoir continuer des masses là. Hein. Je peux me laisser aller interagir avec le machin qui brille, merci. Regarde Danger, cliff ouais, out, non, comme si ça. Si tu me demandes, j'aimerais autant ne pas passer la nuit à dégringoler d'une falaise jusqu'à ce que j'en crève. Oui, bah écoute, exact, hein. On va éviter, hein. Bon, il y a quoi par ici? Ah. Oh my god. En tout cas, ah, on entend du bruit du psychopathe. Oh,
Ah non mais là c'est ça, c'est littéralement ce qui se passe dans la rue avec Foufouille. Hein. Merde. La meuf elle sort, tous les animaux viennent la voir comme ça. Je te jure. La dernière fois elle s'est mise à chanter dans la rue, les animaux se sont mis à faire des chorégraphies, à danser avec elle et tout. Non mais fou. Tu sais quoi pour l'arnaque? Ah ça te va ça? Oh les bouchers tiens. C'est cadeau la scène, putain. Il est chelou hein. On dirait un robot. Alors est-ce que c'est l'animation qui était baisée? Ou est-ce que c'est vraiment... un petit poudre dans le bain. C'est pas un jacuzzi. Mais... ah bon? Ça c'est DJ. Qu'est-ce Pure, que vous en fait. Faites encore? Une mauvaise blague. Ok. Ok. Non. Sam. Oh là là. Je vais jouer la Sam Sam. Quoi? Regarde sa tête. Amusé avec sa tête. Hop, attends. Petits étirements, c'est important. Les cervicales. Voilà. Voilà, dit-elle, alors je vais me taper une session jusqu'à 22h15. Ouais, voilà. Allez, quoi, mes fringues, vraiment. Oui, c'est bien. Celui qui a fait ça n'aura pas de cadeau de Noël. Non, mais alors, déjà, vu la gueule de la chaussette. C'est pas sympa. Non, mais vu pas la gueule de. Du tout. Mais ta gueule. Vu la gueule de la chaussette, même toi, t'en veux pas. Hein. Non. Et pourtant, Fouifou et les chaussettes, croyez-moi, c'est quelque chose. Elle aime bien les chausses-chausses. Et moi, j'aime bien les croisses-croisses. Totem. Oui. Non, et au pire, viens, hasard. T'es eux. Chris? Josh? On saura quoi lui offrir à Noël à Foufri. Hein? Là, ça pue, ça. C'est quoi ça? Un ballon avec une flèche dessus qui me dit d'aller à droite. Alors, je vais aller à gauche. Mais Foufou est complètement, hein. Vous pouvez lui offrir des chaussettes, elle est heureuse comme tout. Quand elle a reçu les chaussettes chien heureux, elle était heureuse comme le chien. C'est vrai. Bon, t'as vu la qualité de la chaussette, tu t'es dit, bon, je vais les porter deux fois terminé, mais... Ah oh, cette connerie d'horloge. En plus, c'est fake, personne n'arrive à tenir la serviette si longtemps. Oh non, c'est clair. Chris? Mike, Emily, ça commence vraiment à devenir nul là, d'accord? C'était très drôle de regarder Sam se balader en serviette. Mais maintenant, j'aimerais juste vraiment que ça s'arrête, ok? Oh mon dieu, une caméra. C'est bon pour vous? Ah oui, mais on l'avait vu ça. Ah non, vous aimez, c'est gentil Gaël, merci. Ah, s'ils savaient ce qu'on pense d'eux. Est-ce que je peux récupérer mes fringues maintenant ou je suis censé passer le reste du week-end en serviette? Vas-y, je vais descendre, Michael. Descends, Michael. Le compte ballon. Punaise de punaise. Ah. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'elle a vu? Mais il y a du feu quoi. Ah, ça bouge là-haut. Ouais, c'est vrai. Ouais. Des bisous, Talsa. Coucou, The Fane. Oh, on a pu voir un truc. Ah bon, j'ai rien vu. T'as vu un truc? J'imagine qu'il faut suivre les bouges-bouges. On va suivre les bouges-bouges. Ok, si vous essayez de me faire flipper, ben, c'est réussi. On va suivre les bouges-bouges. Est-ce que ce ballon il va se barrer?
Où est-ce qu'il va traverser le plafond? C'est la seule question que je me pose. Surveille ce ballon. Surveille le ballon. Nous flottons tous en bas. Non mais c'est Miss Bloodin qui a écrit. C'est des cauchemars. Pourtant t'adores Pennywise. Mais vous êtes où, putain? Un tableau de lui en haut, s'il te plaît. Wow, c'est bizarre. Punaise de punaise. Merde quoi, c'est fini, d'accord? J'apprécie vraiment pas votre silence, bande de cons! Elle nous a poussé un cri. Franchement, je siffle pareil. Salut, Samantha. Tu me cherchais. Je ne pense pas que tu réussisses. Qu'est-ce que... à me trouver, c'est quoi ça? Tu verras seulement ce que je veux te montrer. Salut, Skaga! J'ai beaucoup de choses à te qu'est-ce montrer. Qu'est-ce qui se passe là? Ouvre les yeux. Oh la vache! C'est une vraie beauté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est, Manigordé? Un joli petit oiseau. Pourquoi vous? Penses-tu qu'elle ait une idée de ce qui l'attend? Crois-tu que ce soit les derniers moments de joie de cette petite fille? Pourquoi vous montrez tout ça? Alison. Pourquoi regardes-tu? Ah, il a une sale tronche avec son masque lui hein. Courir ou jeter le vase? Bon, on va courir, ça va toi. Tu sens que ça va mourir là ou pas? La boucherie, vous sentez qu'elle va y passer ou pas? Sauter, se cacher. Non, on va jamais rester dans une pièce. Mais sauter, c'est un poids bon. Que c'est le genre de truc, faut s'éloigner le plus possible, non? Que se cacher, il va forcément te trouver. C'est quoi ce bordel? Y a pas de poignée? Ok, renverser, forcer. Renverser, on aura un bout de verre et on le tue. Oh, l'utilité du truc, quoi! Tu peux prendre la poignée? Tu peux la mettre, s'il te plaît, merci. Oui. C'est ça que j'aime bien dans ce genre de truc, dans les slashers, c'est que les tueurs, ils ont pas envie de tuer. Ils ont envie de tuer, mais sans trop tuer, tu vois. Tu te rends compte, chérie? Tu sais que tu peux me remercier de ouf, là. Parce que là, normalement, j'étais censé faire ça. Punaise de punaise. Miséricorde. Oh la débile! C'est bizarre un peu la scène là. Les mouvements étaient très robotiques, j'ai trouvé. Alors la scène que vous venez de voir est en fait de ma faute. Parce que le perso s'est retourné, j'ai tourné la cam, elle a gogusé. Elle savait plus quoi faire, tu sais. Mais oui, non pour le coup vraiment. Oui, on va courir. Non pour le coup la tête mais... chelou qu'elle a fait, clairement c'est de ma faute. Ah, mais t'as vu FTP et tout. Ah, j'ai le vrai. Ah, il va me faire de dodo. Ça va, c'est un dodo, ça va. Pas mort. Pas mort. Alors, c'était stimulant, non? Ah oui, c'est stimulant. Bien joué. Ouais. Votre partie semble se dérouler à merveille. Oui, toutes ces heures passées
À l'ancienne, c'est ça, Ridoc. Découvrez l'origine de vos peurs. Et vous vous en servez à tort. Votre peur dévorante de l'échec. Vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez tourmenter. Elle retient, c'est... Et la serviette toujours là. Chapeau la peine. Chapter 6, Vengeance. 5 heures jusqu'à le aube. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Calme-toi, Emily. Reprends-toi, bon sang. Viens, on l'engueule. Em, s'il te plaît, reprends-toi un petit peu. Je réfléchis. Dis donc, je vais être responsable de beaucoup de morts, okay. J'ai l'impression, là. Je la boucle. Vraiment, toi, tu lui demandes une fois un truc, elle le fait, au moins. Tu sais, parce que ça vibre pile poil comme leur cri, en fait. Ah, mais faut que j'approche. Ah, mais d'accord. Tu sais qu'on aurait pu rester toute la soirée là-dessus. Hein. Non, parce qu'en fait, faut que j'approche le personnage là. Il a des yeux bleus, lui, t'as vu? Lui là. Ah, ça fait pareil dans la rue, toi. Les animaux, ils se mettent comme ça. Ils te saluent et tout. C'est vrai, Pim? J'ai fait une énorme bêtise. Allez, venez, petite merde! J'ai vraiment fait une énorme connerie là. J'aurais pas dû faire ça. Ah non, bah là, je viens de niquer les deux, je crois. Là, je crois que je viens de baiser les deux là. Toi, tu sais que j'ai pas. Fallait que je vise, j'ai visé, tu vois. Bah oui, non. Ah, QTE! Alors, grimper autour, agripper le rebord. Ah, ils veulent me baiser avec des QTE. Sauter, longer à gauche. Vas-y, saute avec QTE. Attrape ma main. Prends ça. Je te tire. Eh, ne rien faire, c'est parfois la meilleure chose à faire. Et c'est clairement ce que j'aurais dû faire. Hein. Ce que j'aurais dû faire, c'est justement ne rien faire. Quoi, bonne merci. Mais là, je sais pas, j'ai eu un réflexe, t'sais. Oh putain. Oh, je vais te remercier, putain. Je sais pas, j'ai vu le viseur, je dois. Ah, je vise, je tire, toi. Ok, c'est bon, cowboy. Garde ta salive. On doit bouger d'ici avant que ces saloperies nous voient. Promis, je ferai plus de bêtises. Ok. 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 Bon, c'est nouveau, je crois. De mémoire, tu pouvais pas les sauver après ce choix-ci. Ah, je sais plus du tout, ça remonte tellement. Ça remonte au tout début de ma chaîne, vraiment, quand j'ai streamé ce jeu, donc je me rappelle vraiment pas. Oh putain quoi. Alors, je veux pas faire le mec, mais il y a un problème avec son cul, non? Il y a un mouvement bizarre au niveau du yonf là. Meuf, t'as la pastille qui dis donc. Ouais, elle est vachement agitée cette pastille radio, là tout de suite. Il faut leur dire qu'on a besoin d'aide. C'est merci pour le follow. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? On rentre au chalet et on réunit tout le monde. Oh non, pas le chalet. On pourrait rester ici. Ah ouais, non, effectivement, là y a pas de grave. Jamais du tout, au cas où quelqu'un voudrait nous contacter. Faisons d'abord marcher cette radio. C'est pas une non, lumière en fait. Je vois pas, c'est quoi? C'est une lumière de sécurité. Un détecteur de mouvement. Je te rappelle plus pourtant, tu l'avais platiné, c'est vrai? Salut Barbouille! C'est flex, Boubouche. Oui. Il a le cul hyper lax. Moi je lis les commentaires comme ça. Elle a le cul hyper lax. Wax.
monter là. I think I need to get up. So I gonna get up. Jalouse, moi je sais faire des bruits de bouteille. Mais c'est quoi? Tout fou, elle essaie de faire des bruits de bouteille, arrive pas. Allez, on est presque dedans. Du peuple en ce moment. Vous allez faire des bruits de bouteille? Non. Là, je me rends compte qu'en fait, genre je fais encore un nouveau bruit et c'est génial, genre. Pas aussi fort. Ok. Pourquoi sa veste a fait pas de bruit à elle? Moi j'en mets une, je quid à chaque mouvement. C'est Cédric qui demande si t'es bien calé dans ton siège. Ouais. Bah voilà. Ouais. Ça fait des bruits de bouche comme dans Moi Moche et Méchant. Je me rappelle plus, j'ai plus la rage. Un bruit de bouche, ça. Ça va? Ouais. Tu fais mieux le sabre laser! Vouom vouom. Vouom vouom. Allez, quoi! Sache qu'une radio ça marche pas en tournant tous les boutons sans savoir. Hein. Super, pas dur. Pas moi, Vortex. Il doit bien y avoir un bouton dans les parages. Ou une bouton dans les parages. Non, 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 c'est pas un bouton là. Un fax. Bon, pas dû. Putain. Appuie sur le bouton on du fax, ça va envoyer un message radio, t'inquiète. Oh my god, perdu de vue, vous avez vu cette personne? Anna. Désolée, Washington. Anna, toi aussi, tu Anna Washington a été aperçue pour la dernière fois près du chalet de ski à Blackwood Pines, Alberta, entre 1h30 et 2h30 le 2 février 2014. Elle semblait en grande détresse. Vêtements, signes distinctifs. Anna portait toujours un haut noir, un jean foncé, des bottes en cuir marron. Elle n'avait pas de manteau. Elle porte des lunettes et un tatouage sur l'épaule droite. C'est quoi? Oui, bah ça va. Mes yeux, ils inventent des mots. Ils inventent des mots qu'il n'y a pas dans le texte. Ris pas. Tu ris pas. Ne ris pas. Arrête de rire. J'invente des mots, ok. Vous avez vu comment ça se moque? Moi je suis martyrisé ici. Et monsieur Tizep, merci pour le re-sub. Et des bisous à vous tous, la plus belle des commus. Des bisous à toi, mon Tizep. Gardez donné. Le pistolet lance-fusée à Matt. Non mais 100% on va faire une connerie. Non. Je sens que elle. Non. Pas sûr. Je suis resté à plus trop longtemps. T'es tiré? Non, c'est pas une bonne idée, ils vont savoir qu'on est là. Les tueurs. Enfin, les. Oui, il y a une tempête. Il veut le pistolet. Poulet. Les bidoux. Le pistolou. Non, donne-lui, elle va s'auto-buter. Auto-butoum. Fais quoi? On the fucking wall. Ah oui, t'as raison, plus c'est ça qu'on cherche, je crois. C'est pas ça qu'on cherche par là.
Oh shit. Let's fucking go. Et ben voilà. Pour voir si tu regardais l'écran. Oh génial. C'est bon. Bien joué. Oh. Ok. Un point pour Matt et Emily. Alors. Attends. Mais du coup le fax il peut marcher. C'est un coup, il y a un message. Oh, ça marche. Tout dessus. Show me. Perdu de vue. Avez-vous vu cette personne? Beth Washington. Beth Washington a été aperçue pour la dernière fois près du chalet de ski de Blacktooth Pine. Bah, après, tout pareil. Même date, mêmes horaires. Salut, Miss Axe. Semblait en grande détresse. Tu vois quand je suis comme ça ou pas? Tu vois l'écran quand je... Ouais, parce que des fois, ça me fait du bien d'être un peu... Bref, voilà, elle est disparue, quoi. Et elle portait toujours un manteau. Pourquoi elle est partie à gauche, cette débile, là? Non mais genre, vraiment? Allô? Oh, mais c'est quoi ça? Je mets le joystick à droite, t'as pas à gauche, oh! On a besoin d'aide. Terminé. Merde. Ah ouais. Tiens. Ah bon sang. Merci. On a besoin d'aide, s'il vous plaît. Regarde, elle pleure. Une maline, hein. On dirait comme une cinématique, t'attends que ça termine. S'il vous plaît, par pitié, aidez-nous. On est bloqué à Blackwood Mountain. Et il y a un cinglé. Au secours, aidez-nous. Alors, j'insiste, aidez-nous, obtempérez, je m'appelle Emily. Ouais, battez les yeux. Bon. Obtempérez, non? Ah non, mais attends, c'est un coup c'est eux, c'est un coup c'est eux. En tout cas, je suis baisé, quoi. Toi, j'insiste, en mode, aidez-nous, oui, bah, on va vous tuer, quoi. Toi, je m'appelle Emily, bah on va te tuer, Emily. Bon, vas-y, je m'appelle Emily. Oh putain, ok, je suis. Je m'appelle Emily. Allô? On ne vous entend pas, veuillez répéter, terminé. Non, bon, regarde, nous sommes dans la montagne. S'il vous plaît, pitié! Merde, on va mourir ici si vous ne venez pas! Il y a un cinglé avec nous, vous comprenez? Ah! Le détecteur s'est déclenché. Ça doit être un de ces putains de serres. Compris, madame. Ne bougez pas de là où vous êtes. Nous verrons des hélicoptères vous chercher dès que la tempête se sera calmée. Quoi? Quand? Bientôt? À l'aube, au plus tôt. Pas avant l'aube. Oh. Je fais des plans mieux que ça, moi, avec les miens. Un peu proche, là, mais... Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Merde! Bouge pas! C'est quand même un sale problème d'être au haut du tour au moment où elle s'effondre. Oh, ça me rappelle une scène dans un film! Dans Jurassic Park 2! Toi, t'es dans le bus, tu te rappelles? Merde! J'aime bien quand le jeu il rame pile à ce moment-là.
crois que ça a ramé dans ses yeux aussi, hein. Oh merde! Là, je lâche pas l'écran du regard, parce que si la DQT va faire. En général, un effondrement de ce genre de choses, sinon tu n'y survis pas quand même. Hein. Putain! Oh. Non, dis des boucheries, c'est. Ouais, putain. Attends, les gars. Matt! Oh merde, Matt, aide-moi, pitié! J'arrive! Les aventures avec les petits singes, trop bien! M, c'est plutôt instable par ici! Matt, tu dois faire quelque chose maintenant, putain! Il y a un petit singe dans les aventures. Je réfléchis! Je réfléchis! Arrête de réfléchir, crétin! Ah, la scène où il est suspendu, c'est ça? Rassurant, ça va aller. Injurieux, c'est quoi ton problème? Viens, on l'embrouille. Viens, on l'embrouille. Putain, mais c'est quoi ton problème? Quoi? Pourquoi t'arrêtes pas de me parler comme à une merde? Je suis désolé, je voulais pas. Vraiment. Ne bouge pas. Là, là, on joue le... En mode, oh, c'est pour moi, quel t'es redescendu, ça a le pu. Bite, bite, ce qu'elle va me dire. Je vais essayer de t'atteindre et de te remonter. Maintenant, est-ce que tu pourrais me sortir de ce merdier? Pitié, pitié, pitié. Ah mais elle est obligée de parler comme une merde, elle, hein. Ah mais je peux lui chier dessus, là. Sauver Emily ou se mettre en lieu sûr? Vas-y, c'est bon, voilà, c'est bon. Mais arrête, on va m'accuser de tuer les personnages, après. Tu paries qu'on va crever tous les deux sur ce choix? Je voudrais pas que ça tombe. Je tente! Je tente! C'est à quoi on va perdre les deux là? Alors, effet papillon, sauvez-vous! Allez! Allez! Emily! Moi, de toute façon, tant que je vois pas un perso éclater la gueule en 14 morceaux, c'est voilà, c'est ça, c'est que le perso est pas mort pour moi. Dans ces jours, on a compris, tant qu'on voit pas concrètement le perso mourir, Emily, et ben ouais, il meurt pas, tu vois. Emily, putain, t'as grappillé de ouf, toi. Toi, t'as m'a donné la manette à 21h48, il est 22h21. Donc là, t'es en train de me dire que tu prends la manette pour 9 minutes, là. Ça y est les bouchers, on est d'accord, on va bientôt découvrir qu'est-ce que c'est tout ça. T'as tué Matt? Putain, t'as tué Matt? Elle est pas... Isango, il est pas mort. Mais non, il est pas mort, Matt. Hein, il est pas mort. Là, il a juste. Il a pris un crochet là, ça va, c'est un gros, piercing, quoi. C'est un gros piercing, ça va. J'ai le temps de te remettre un peu de bétadine, et bon. Un peu de bétadine. Allez, joue Ashley. Ah, c'était quoi ça? Merde, mais qu'est-ce qui se passe par ici? Tu disais quoi sur les personnes qui partent pas? Ouais, mais ça va, y a pire, non? Genre, il l'a enfoncé là. Chris, je voulais te dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'abri? Je sais à quel point c'est dur. Josh était ton ami. Je sais mal, enfin. Comptez les yeux. Merci. Merci de m'avoir sauvé la vie. Il rejette la faute sur vous alors que c'est lui qui a voulu sauver l'autre pouf. Laisser quelque chose t'arriver? Vous vous rendez compte, elle l'a tué, quoi. C'est vrai qu'il la voulait pas. Ash, tu vas bien? Ouais, c'est juste. Je sais, mort, toi et Josh étiez proches. On retrouve Sam, ok? Là, c'est tout ce qui compte. Mais c'était si atroce! Ashley, arrête!
S'il te plaît, je veux pas repenser à ce qui s'est passé. Chris ! On doit trouver Sam. DJ, il a buté tout le monde, foufou, il a réparé les dégâts. Elle m'avait fait le même coup dans un jeu avec des C4 qui ont éclaté à la gueule de deux. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oui. Ça m'oublie. La couleur bien sombre là. Ouvert, pas du tout retrouvert. Ah oui, ça a fini à un pied. Tu te rappelles ? Tu te rappelles ? Il y a juste un yep qui a sauté sur le sol. Juste parce que Foufou, elle a fait le mauvais choix. C'est juste pas possible. Didier, vu le bidou de Foufou, ils vont naître en décembre ? Non, pas du tout, t'es pas bien. Ils naissent dans 3 semaines. Grand max. Ouvert. T'as vu, tu mens. Mateuse, je vois. Gagne Mateuse, t'es. Une balance, je vois. Attends, deux secondes. Est-ce que t'as vu ça? Oh, la chaise. Oui, je crois que c'est celui-là, pas plus. Est-ce que j'ai vu quoi? Ça, Chris, ça. Ça veut dire quoi, ça? C'était comme une forme transparente, comme un fantôme. Mais non. Je suis sérieuse. Pourquoi tu me crois pas? J'ai dit que je l'avais vu, ça vaut vraiment rien pour toi. On a vécu un enfer ce soir, d'accord? Tu es au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Je ne crois même pas à ce que j'ai vu. Y'a Pipapoum qui pète un câble sur un nouveau non, truc. Le bonnet de la meuf. Je l'ai vu et j'en suis sûr. Elle, pareil, elle m'énerve. Vous, le chapeau, il remonte pas sur ses cheveux d'accord, pour être disposé collé comme ça. Peut-être que t'as vu quelque chose. On garde notre calme. On est en train de devenir dingue ou quoi? Écoute, c'est le seul endroit où peut être Sam. Et lui, ses lunettes, il a jamais mis un coup de chiffon dessus. Hein. Et si Sam a besoin de nous? Si elle a des problèmes? Oh non! Salut Tristan! On bouge. Vas-y, je suis rageuse. Alors que je fais ça, je 24 sur les miennes. Non, mais moi ça me rend fou. Moi, elle me rend dingue, hein, des fois les miennes aussi. Des fois c'est un peu sale. Tu prends le chiffon, tu nettoies, tu remets la lunette, c'est encore plus sale. Hein? Mais le chiffon, il est neuf. What? Ouais, t'étales sur le carreau, tu sais. Ah oui, c'est vrai que le nouveau Dark Pictures est dans l'espace, c'est vrai ça. On n'a pas de date par contre, on n'a aucune estimation de sortie ici. Ah ouais, c'est un peu fouille quand même là. T'es pas mieux. Là tu cries pas mais. Mais ouh. C'est quoi encore ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain, j'ai eu peur. Comment ça a pu devenir aussi pourri? Salut Zenmanov. Les portes qui claquent, les bougies qui s'allument toutes seules. Et ce spectre ou je sais pas quoi. Je crois que tu sais pas vraiment ce qui se passe ici. Ne dis pas que t'as pas vu cette forme. Regarde. Regarde, Chris. Là, dans les fenêtres. Voir quoi? Les meubles miniatures? Non, toute la scène, avec les poupées et tout. Ouais. Je crois qu'il te faut une clé si tu veux. Attendez de voir si t'allais trouver. En fait, c'est parce qu'il faut que tu fasses une rotation. Une clé. Attends, qu'est-ce, le fantôme? Quoi? Tu l'as pas vu? Non. Tu regardais ton portable, abruti. Qu'est-ce que tu tweets là? Hashtag, y a un putain de fantôme à notre house. Ash, calme-toi, ok? Il n'y a aucun fantôme ici. Fantôme de quoi? Tu flippes à cause de ce qui est arrivé à Josh? Mais t'écoute pas ce que je te dis, je l'ai vu. J'ai vu un fantôme, il ressemblait à Anna, il ressemblait à Anna. Attends, quoi? Ou alors un peste. Sérieux, Ash? Tu crois vraiment qu'elle nous suive depuis la séance? Je sais pas, peut-être. Eh ben non, parce que les fantômes n'existent Merci, pas. Merci, Zemanov. Ok, alors qui nous parlait à la séance, hein? Je te le demande. J'en sais rien. Ah hey
Comment une bonne nuit à toi, chat. Sauter du mur comme ça. J'ai pas fait gaffe, putain. Dans le chat. Il y a eu quoi? Un saccadé, genre? Ok. Il y a l'air d'avoir pas mal de petits freeze hein, quand même sur cette version PS5, je trouve. Hein. Je cherche la clé. C'est un José, y'a pas de fantôme, bah c'est sûr que c'est un José. Hop, un fond vert, un fil, un pêcheur dans le coin, on est heureux quoi. Bon, aucun doute là-dessus, Cédric. Putain. Non, non, vraiment aucun doute là-dessus. Finalement, le coupable c'était le colonel Moutarde. Hein? Le vieux poignard ou le chandelier? Ah non! Ah ouais. Bah la v'là ta clé! Salut Yoko! Ah! Une clé! Oh putain! Là! Regarde là-bas, Chris! Dis-moi si tu le vois là maintenant! C'est. Alors? C'est. Tu le vois, non? Je sais pas, c'est juste. c'est juste dingue! Chris! Il nous montre la voie! Tu peux jouer si tu veux. C'est pas croyable. Ah c'est comme si le fantôme voulait que je vois ça. Quoi? Wow. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non. On dirait... Non, pas on dirait. C'est vous. Quand vous attendiez Anna, l'an dernier. Mais c'est trop précis. C'est exactement où j'étais. Et pareil pour Matt. Quelqu'un a dû faire ça. Il était là. Quelqu'un ou quelque chose qui nous observait. C'est peut-être un avertissement. Quelqu'un a dû... Je crois qu'on a mis ça ici pour nous faire peur. Non, c'est forcément le fantôme. Il veut nous dire que le taré a tué Anna et Bess. Je crois que c'est cet enfoiré qui veut nous voir péter les plombs. Et pourquoi est-ce qu'il ferait tout ça? Il veut nous dire qu'il va tous nous buter, c'est tout. Oh mon dieu, Mike a confirmé. Il a appelé Josh cet après-midi. Waouh, demain c'est la fête. On va tous se retrouver à la montagne. Ce sera de pures vacances. Ah, mais... Coin du feu et jacuzzi. Oui, bah ça va, je suis en train de le lire en fait. Feu, crépitant, jacuzzi et il y aura Mike. Je suis tellement pressé de le retrouver. Faut que j'arrête de penser à lui, mais j'y arrive pas et je veux pas. Oui, bah arrête de réagir pendant que je lis, putain. Waouh, oui. Ça arrive pour de vrai. Mike m'a laissé une m'a laissé une note. C'était comme recevoir une lettre d'amour. Est-ce que Sam est dans la combine? Parce qu'il y avait même un petit dessin de moi au dos. Trop mignon. Je vais porter ce haut qu'il aime bien et attendre que les autres aillent dans la cuisine. Comme ça, je pourrais le rejoindre dans la chambre d'amis. Il se passe trop de trucs. Je voulais le dire à Bess, mais elle m'aurait dit que c'était stupide. Elle comprend pas depuis combien de temps j'attends un moment pareil. Est-ce qu'il va m'avouer ses sentiments? Oh là, une étape à la fois. Non. Après... Ken, mais un peu après. Voilà. Crépitant, jacuzzi. Oh, il y aura Mike. Fou, il doit passer la manette. Mais il y a une scène. J'ai là dans le cul pour l'instant. Et c'est là que tu vas passer la manette, je pense. Tu ne sais pas censé bouger là? Ah ouais, j'avoue, le gros plan, il est bâtard un peu. I follow you, my friend. What do you want, bitch? J'imagine le fantôme. Rien. Mais arrête, tu l'as bien vu, il existe. J'ai vu quelque chose,
Mais c'est parti où? Bravo Bibouche, quelle éloquence, t'as vu un peu? C'était quoi? T'as vu un peu le level? Perso, moi perso, je suis perdu avec un tueur dans un chalet, je reste près du frigo, quitte à mourir, autant avoir le verre plein. Il y a carrément une autre salle ici. C'est vrai. Elle est immense. Chris, je sais pas si je veux continuer. Va avancer, merci de me laisser passer, monsieur le robot. Il y a quand même ce gros problème, je trouve qu'il y a beaucoup de moments où ils sont très robotiques dans les mouvements. Mais où? C'est dommage. Où est-ce qu'on bon, est, ça fait pas tout bien. C'est une blague. Des bisous, doudoubidou. Tu savais ce qu'il y avait là? Ça, on dirait un autre hôtel. Je savais pas que c'était là. Je pourrais pas supporter ça plus longtemps. Ouais, c'est vrai. J'atteins mes limites, moi aussi. Tout ce que je voulais faire, c'était oublier ce qui s'est passé l'année dernière et... Franchement, pas sûr qu'Anna savait ce qu'elle faisait. Ouais. Enfin, tu sais ce que c'est quand on est à fond sur quelqu'un. Que Chris. Génial. Donc en gros, tu me dis qu'on a placé une amie vulnérable dans une situation atroce et à cause de ça, elle s'est enfuie et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Ok. Un peu humilié. Anna en a trop fait. Non... Déculpabilité, faut être une belle saloperie quand même. Faut être une belle saloperie pour voter ça. À sa place, tu crois pas que tu te serais enfui? Enfin, t'aimerais pas qu'on se moque de toi? Personne ne se moque de moi. Pas devant toi. Hein? Chris. Ah, là, il découvre qu'il y a des langues de pute dans le monde. Devant tous ses amis et le gars sur Twitch, tu verras. Je peux pas imaginer faire pire à quelqu'un. Je dis ça, je dis rien, mais le chapeau n'a pas bougé d'un pas. Allez, on a remarqué son... Le bonnet, il bougera à un moment donné. Oh non. C'est quoi? C'est le bracelet de Sam. J'ai trouvé une vitrine. Et je sais qu'elle l'enlève jamais. Faut qu'on la retrouve. Tu sais quoi? Non. Ash. Non, j'en ai assez. Il est hors de question que j'aille plus loin dans ce putain de cauchemar. Ashley, je te comprends, tu sais. Moi aussi, j'ai les jetons. Mais si Sam est là, toute seule, avec un taré, et si on se tire, eh ben, c'est comme si on l'a tué nous-mêmes. Non seulement son bonnet bouge pas d'un pet, mais sa petite mèche, là, sur le côté, elle, elle est placement au pixel près, quoi. Réticent, j'ai vraiment peur. Courageuse, trouvons Sam. Ah. Des héros, un peu, non? Ah, putain. Ashley, allez. Pourquoi t'as toujours raison? J'ai pas toujours raison. Ouais, quand t'as raison, t'as raison. J'aimerais me tromper et partir moi aussi. Non, il faut qu'on retrouve Sam. En route. Ce n'est pas la suite, mais je le sens pas, lui, le bougre. J'avoue que je sais même plus. Il y a du traître ou pas dans ce jeu, je me rappelle même vraiment plus de tout ça. Je me rappelle de... Chris, je commence vraiment à avoir un mauvais pressentiment là-dessus. D'un des tueurs, qu'est-ce on va dire. Eh ben, il y a un truc qui colle pas. Qu'est-ce qui colle pas? Rien ne colle, le psycho, tous les trucs de fou qui se passent ici. C'est juste que j'ai l'impression qu'on a raté quelque chose. Un truc qui tirerait tout ça. Des tueurs? Ah, je vois ce que tu veux dire, mais... En fait, non, le problème, c'est que je me rappelle du tueur. Ouais, t'as sûrement raison. Je sais plus s'il y en a plusieurs ou pas. Quoi? Oh, t'as spoil. Ma petite dame. Une observasseuse. Moi j'ai trouvé des batteries minuterie. Boum, indice, tu vas rien faire. Je me rappelle du truc principal, mais le petit truc à côté du tout. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Je connais le jeu par cœur, c'est vrai? Oh, moi je sais plus, je l'ai fait à l'époque où il venait de sortir. Genre, il y a des années. J'ai fait à cette époque-là et. Et puis terminé, quoi. Truc de pratique. J'avais fait 3 runs de souvenirs, et puis c'est ça, en 2015-2016? Ah!
C'est vrai que Foufoui, elle engueule elle qui sursaute parce que elle qui sursaute fait sursauter Foufoui. Punaise de punaise, miséricorde. Ce n'est pas du tout perso, mais ça va, j'arrive à suivre tes streams comme pour... alors attends, c'était quoi déjà? C'était quoi déjà? Ah oui, Dieu! Casting off machin stone. C'est Frankie, Frankie. Oh merde. Regarde là. Du sang? Peut-être celui de Sam. Je vais essayer d'ouvrir ça. Ça y est, mais putain, c'est lourd. C'est une manette rose, c'est une manette de pig. Faut que tu passes, Ash. Je tiens plus. Oh, allez, grouille-toi. Je crois que j'ai vu Sam juste là-bas. Ash, t'es sûr? Je sais pas, mais il faut qu'on aille voir. Moi, je pense que tout le sang vient de là, ok? Alors on doit vraiment se manier maintenant. Ok, t'as raison, j'arrive. Du coup, Dieu, c'est bientôt la fin du jeu? Non, on doit être à la moitié. Chose à m'écraser. Allez. Non, c'est pas la fin du jeu du tout, là. Je comprends pas. Quel intérêt de refroidir encore cette pièce? On se cale ici. Ce type est pas tout seul dans sa tête, tu sais, H. Peut-être pour les cadavres? C'est à Sam. Ouais, c'est les fringues de Sam, c'est... Malsain. C'est vraiment malsain. Donc l'autre malade est passé ici, c'est sûr. Tu crois qu'il est encore là? J'espère pas. J'espère. Qu'est-ce que ce truc fait là? Ça doit tirer un peu sur la colonne vertébrale à un moment. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu branles, Jean-Michel? Ça va, je te dérange pas, là. Ça a l'air d'aller pour lui, tout va bien. Tout va bien, les gars. Ça se passe bien. Smooth capito. Dum 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 dum. Oh ça. Mais n'est-ce pas une information qui va intéresser le chat? Foufou elle dit mais avant, dis donc, si ses vêtements ils sont là, c'est qu'elle est à poil. Ma meuf, ça c'est ma meuf. Salut Daoups. On va essayer d'ouvrir là, mais... Bon bah oui, hein. Donc, oh, Chris. Oh non. Les personnes sont mortes? Oh et... Un soupçon. Sam. Oula. Sam. Oh, elle est morte. Oh putain. Non, elle est pas morte. Elle nous a fait l'Oréal parce que je le vaux bien. Encore. Mais... Qu'est-ce qu'elle a? 3 semaines, Daoups. Oh non. Non, 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 non. Ça craint trop. Faut qu'on la sorte d'ici. Oh, oh, oh. Chris. Oh merde. Ah. Non, t'es calme. Allez, il y en a pas un pour éviter ce masque, hein. Putain de merde. Allez, et ça dort. Et la serviette, elle, toujours nickel. La question maintenant, c'est qu'en sera-t-il du bonnet? Oh merde. Ash. Il agit vite le gaz, putain. Oh, tu me diras. Le gaz comme ça pour se faire endormir, genre à l'hôpital, c'est une dinguerie comme ça, vite. Hein. Défoncer sa putain de gueule. Qu'est-ce que c'est? C'est lui. Non, Chris. C'est le type qui a tué Josh. Oh, merde. Non! Connard de cœur de merde! De quoi, attends, madame? Putain de merde! Regarde, on va crever! Bonjour la boucherie, madame, ainsi comme la localité, c'est pas un stream sponsor par sponsor. Personne ne va crever. À la pilule du lendemain. J'aurais voulu te le dire. J'ai pas compris. C'est trop injuste! Ah, c'est souvent, oui. Quoi? Veux dire quoi? C'est trop tard, Chris! Arrête ça! À quoi, dis-moi! On a toujours évité le sujet, et là, je me dis. On a tout gâché. Ashley, on n'a rien gâché.
C'est vrai, Allison. Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque seconde que j'ai passée avec toi. Bah si, je suis obligé de vous le dire quand même. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais qu'est-ce que tu racontes, Chris? Je regrette. J'aurais dû t'avouer mes sentiments. Merci, Edith. Non, Chris. Ashley, je te jure, dès qu'on s'en sort. Oh non! Ashley, je vais te tirer de là, je veux pas que tu meurs! Salut à vous, mes gentils petits cobayes. Oh, fais chier. Non, pas. Oh, que si, gauche. C'est maintenant qu'on s'amuse. Ah, j'ai fait, en fait, dans tous les cas, il y en a une grève, quoi. A déjà pris une décision importante aujourd'hui. Non. Et maintenant, il doit en prendre une autre. Chris, tu peux prendre le pistolet devant toi et tuer Ashley, ou te tuer avec. Celui qui reste, reste en vie. Le choix t'appartient. Ouais, en gros, c'est bon, tu voulais pas te trouver, quoi. Donc, fais gaffe, il doit pas y avoir des balles infinies là-dedans. Non, j'ai juste touché le joystick là. Oh non, bâtard. Direct. Bah les couilles. Direct. Vous êtes allé trop loin. Ça rend la scène plus stylée qu'il est genre pas hésitant quoi. Hein? Ne comprenez-vous pas que cette torture a duré assez longtemps? Non? Qu'est-ce qui vous donne le droit de jouer les démiurges avec la vie de ces gens? En quoi êtes-vous si différent? Hein? Vous êtes cinglé! Vous êtes un putain de taré! Mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Hein? Je suis sûr, elle est chauve en dessous. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Elle a envie de la défoncer avec son bonnet. Psychopathe! Espèce de psychopathe! Je sais pas. Violence. 4 heures jusqu'à l'aube. Ah. Ouais. Sam. Toujours aussi tenace la serviette. Sam. Désolé, Pimpapou. Debout. Mike, est-ce que c'est toi? Chut. Quoi? Quoi? Viens par ici. La serviette qui tient au bout de... Ouais. Comme disait Foufou tout à l'heure. Comme disait, c'est justement parce qu'elle a des gros boobs que ça fait. On va se rater, hein, coup de machette là, quand même. Oh putain, c'était serré. Oh putain, Mike, heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, toi? Oh putain, tes doigts, Mike! Ouais. Ouais, je m'en sors bien. Mais merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a un putain de psychopathe là, dans la montagne. Il... Je crois qu'il veut tous nous tuer. Une serviette velcro. Écoute, ce gars dont tu viens de me parler, il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. Et sur l'une d'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer. Genre déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh bordel. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Il y a une porte là. Elle s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté. Oh, ce regard ténébreux qui vient de nous voir là. Même moi, j'avais envie de le sucer sur ce coup-là. Des Dark BG, un peu, hein. Qui est BG, TKT, RPZ. Sauveteur de meuf en serviette qui tombe bas. Sympa, toi aussi.
Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Tu peux pas vraiment dire ça. Non, vu comme elle a l'air d'être accrochée, non, tu peux pas dire ça. Non, oui. Un survêt pour elle, grand maximum, la serviette. Oui, pardon. Putain, la vitesse. Ok, ça c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'était quoi ? C'est... quelqu'un qui pleure. Elle se change plus vite que moi quand je braille un maxi tac. Balance-toi! Dis-moi pas que c'est pas vrai. Bien sûr, hein. Faut concentrer, hein. Il faut la panique à s'écouter, elle aime pas. Super dans ce haut. Un peu mal en forme ce soir. Moi j'aurais fait cette figure, j'aurais perdu mes AirPods, ma botte et ma dignité. Ça c'est cool. Tu mets une serviette, t'aurais économisé 600 balles. Ouais, je suis vénère. En plus, c'est Emily, j'ai envie de dire. Elle, bon, personnellement, comme beaucoup d'entre vous, c'est pas l'amour fou, quoi.
Emily, le perso au cul hyper lax. Je l'adore surtout quand elle est pas là. Ouais, c'est ça. On l'adore quand elle est vachement pas là, ouais. Et bim, on desserre le frein. Moi, je préférais les lunettes de Chris. Allume les torches comme personne, je trouve. Non, franchement, trop fort. Non. J'ai envie de dire probablement. Bon, l'avantage c'est que le perso il se traîne pas trop le cul sur ce coup là. Enfin le cul hyper laxe, je veux dire. C'est le clip des exploseurs. Se prépare à dynamiter de nouvelles galeries. Mine du Nord-Ouest, décembre 51. Moi, je l'aime. Je rappelle que demain et après-demain, on est off. Et qu'on va continuer notre usine, non. Surtout qu'on arrive au bout, hein. Concrètement, on arrive au bout du jeu, nous. Enfin, de Satisfactory, hein, rien à voir. Oh non, t'es pas chiant, t'es pas pombo, au contraire, t'es marrant plus qu'autre chose, ouais. Oh, moi je kiffe ce genre de commentaires, moi ça me fait délirer. Au contraire, continue. Moi je te demande de continuer en vrai. Merde. Je préfère que des gens qui tripent comme ça, tu vois. Comme ça te mord, tu vois ce que je veux dire. Salut, paresseux. C'est punaise. On coupe à 23h, Floa, attention quand même. Pas qu'il y ait pas une déception, quoi. En fait, c'est map. C'est en des rolling solo, ça va. Oui, j'avoue. Bah ouais, c'est sûr, quand t'as la personne à qui parler, quand t'as fermé sa gueule, elle est vachement plus agréable, quoi. Voilà, elle peut pas envoyer chier les poutres ou les chauves-souris que je sache, quoi. Ouais, non, oui, mais bon. Oui, je suis un robot. Allez, plus de tort et plus de dignité non plus. Elle est pour public à ça, j'aime bien. Bah oui, plutôt, oui, je trouve. Merci, demain je vais passer par là avec ton accent des vacances. T'as un accent des vacances, toi. Des I et des O partout. Poum pam poum, tu l'emmènes une semaine à Marseille, elle remonte sur Paris, putain, con, putain. Il veut une bonne mère. Tu connais pas, putain, cassonade. J'avoue. Je fais beaucoup de...
Je fais beaucoup d'efforts de bouche pour... Parce que normalement je lurk. Mais j'ai conscience que ça... Ah, tu veux dire que ça me... Bah ça m'emmerde parce que ça fait que... On perd tout l'intérêt d'un stream. Quand les gens parlent pas, c'est passer à côté de l'intérêt d'un stream pour moi. Juste ça. L'intérêt d'un stream, c'est de parler, de discuter, d'échanger, de rigoler. C'est sûr que si les gens viennent juste se mettre en mode lurk, en mode film... Oh, ça n'a aucun sens. Enfin moi, clairement, je le dis haut et fort. Et c'est clairement pas pour ça que je trouve. Ben moi, si je perds le contact avec les gens, ça pourrait me donner envie d'arrêter le live, en vrai, pour le coup. Le but, c'est qu'on soit en contact. Si on discute pas, ça n'a aucun sens. Aucun sens, pour moi. Putain, elle donne tout, la meuf, là. Cédric, t'inquiète. Oh non, je me doute, Rinoc. Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a des fois où c'est beaucoup, tu vois. Il y a des fois pendant des 10 minutes non-stop, mais y a plus rien qui se passe, moi. Bah, je pose des questions, les gens répondent pas. Moi, quand j'arrive à ce genre de situation, clairement, ça. Ça me coupe l'envie, mais à mort. Mais bon, ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit, tu vois. Donc merci à ceux qui font l'effort d'essayer de parler un peu sur le live. Ah bah t'es des merdes, meuf. Ah par contre il est 23h meuf. En plein milieu comme ça on reprendra et on devra faire des choix. Eh oui. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Ça vient, j'ai toujours un truc à dire. Mais ça tombe bien, miss. Mesdames et messieurs, merci infiniment en tout cas de... d'avoir suivi le live, j'espère que vous avez kiffé. Non, mais après le but, Yoko, c'est pas de reparler de ça ou quoi, hein, mais vous connaissez mon état d'esprit là-dessus. Je vous fais des gros bisous, merci infiniment d'avoir suivi en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette deuxième partie d'Until Dawn. Avec Nati Pouifoui, comme d'habitude, on a bien kiffé. Mercredi, on fait la fin ensemble. Ouais. Je pense qu'on terminera le jeu sur une troisième et dernière session, du coup, parce que là, on est à quoi? On est à 2-3 heures. On est un peu après la moitié. Il y a au moins 3 heures de jeu qui nous attendent minimum. Donc je pense qu'on terminera ça mercredi soir on termine, mercredi après-midi, Silent Hill 2 le remake les potes, donc voilà, soyez bien présents, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous mesdames et messieurs, et déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, et à bientôt sur Helltapes.